Restons à Bobo Dioulasso, où Sahara Séré a rencontré les femmes de la ville. La présidente du Parti pour le développement et le changement, PDC, est allée échanger avec ses sœurs de SIA autour du thème « Promouvoir l'équité et la complémentarité pour un développement harmonieux et durable du Faso ». Les femmes ont été invitées à s'engager en politique pour faire triompher leurs idéaux. Sanoua Christine Koulibaly. En ce mois de mars où l'autre moitié du ciel est sous les projecteurs, Sahara Séré Séré, présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement, a enfourché son cheval blanc pour venir prendre langue avec ses sœurs de SIA. Unique femme burkinabè, présidente de parti politique, elle se voit dans l'obligation de participer activement au processus d'émancipation réelle de la femme burkinabè. Ce mois du 8 mars est un mois de réflexion sur la condition de la femme, comme à la sortie de ces carcans qui la bloquent depuis des éternités. Et comment il n'y a qu'elle-même qui peut arriver à prendre sa destinée en main. Rien dans la vie ne s'acquiert. Tout se conquiert par la lutte, par le combat, mais par un combat juste et un combat de vérité. Et pour continuer à être la porte-voix des femmes dans l'arène politique, Sahara Séré Séré a besoin de l'accompagnement sans faillite de ses sœurs. Donc je viens chercher les bénédictions auprès de Bobo Dioulasso, auprès de mes sœurs, auprès de mes mamans, pour savoir si la voie que je suis en train d'entreprendre est la bonne et la meilleure, afin que la décision que je prendrai soit notre décision commune qui nous permettra de relever les défis. Cette adhésion massive vraiment m'émeut et me fortifie davantage que je suis sur la bonne voie. Une adhésion qui n'a de sens que si ces femmes se donnent les moyens de participer au choix de leurs futurs dirigeants. Occasion donc de les inviter à s'inscrire sur les listes électorales pour celles qui ne l'ont pas encore fait.